Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pourtant, j'étais en train d'évangéliser, j'étais en train de prier, j'étais en train de travailler. Et quand je la réveille, elle s'est fâchée. Hein? Pour elle dire la vérité. Merci. Et qu'elle était en direct. Voilà, merci. Je t'ai devant et dit non, ne te pas. Ok, ciao. Mais ce qui me gérait, il était là, il avait lancé sa chose, je suis parti dormir. Donc vous voyez que. Ouais, il était 4h, Larissa. C'était toute une négociation, fallait négocier. Fallait lui parler, fallait citer des poèmes, fallait lui faire des berceuses. Il fallait la ramener à l'état dont je connais là, qui fait que elle se laisse malaxer, vous voyez là. Donc je peux vous dire que pour tout ça, j'en ai eu au moins pour 1 heure. Donc en fait, le travail a commencé vers les 5h30. Tati, elle avait été bloquée. Tati, elle était bloquée. Le travail a commencé vers les 5h30. Donc vous imaginez que hein, ça a pris beaucoup de temps. On est toujours sur mon réveil. Hein. Je n'ai pas encore mangé. Avant de manger, je dois boire 2 verres d'eau. Larita aussi. Hein? Avant de manger, je dois avaler 2 verres d'eau tiède. Tout ça, Jean, hein? S'il y a les médecins connectés, ils vous diront. Donc là, je prends de l'eau que je viens de... Hein? J'ajoute juste là. Comme ça, elle est tiède. Merci, maman Esther. Didier. Comme ça, elle est tiède. Et je dois l'avaler. Madame, elle, je ne sais pas si elle boit. Moi, est-ce qu'elle a 50 ans? Elle ne fait pas comme moi. Non, je prends de l'eau tiède le matin. Ah, voilà. Elle est réveillée tôt. Hein. Je prends de l'eau tiède. Elle est debout depuis longtemps. Hein. Je prends de l'eau tiède. Moi, c'est mon... Moi, c'est mon... Voilà. Après, c'est mon thé. Je bois mon thé. C'est voilà. Un beauty. C'est moi qui viens de me réveiller, pas elle. Hein. Donc, je bois ça comme ça. Mais je ne suis pas encore mangé. Je ne suis pas pris. Je suis pas encore... Mon dernier repas, c'était quand on a... Voilà. C'est le premier verre d'eau. On avait fait le direct. Toujours à jeun. Comprenez. Mais l'eau tiède est bien. Très important. Même en journée... Tu veux de l'eau tiède, du thé. Pardon. J'ajoute de l'eau chaude pour que ça fasse tiède. Voilà. C'est bon pour la santé. Très bon pour la santé. Et de préférence à jeun. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a que des compléments alimentaires que vous avez vus, j'ai pris là. J'accompagne ça à de l'eau. 2 verres d'eau. Alors... Faut le faire. Hein. Les jumeaux, comme c'est serré comme ça là, c'est serré derrière. Hein. Je ne sais pas si les jumeaux peuvent. C'est serré. Hein. Voilà, Tatiana. Exactement, Tatiana, tu as compris. C'est trop bien pour la santé. Elle n'était pas trop tiède celle-là. Mais parce qu'il n'a pas laissé l'enfance. Ah. Voilà Tatiana, il y a, vous savez comment on fait des directs instructifs, il y a toujours le corps médical, il y a toujours des avocats, il y a toujours ces hommes de droit qui sont dans nos directs, qui expliquent. Donc voilà, je fais ça, ça c'est mon quotidien. Au réveil, même très tôt le matin quand je vais au boulot avant d'amener les enfants à l'école, c'est ce que je fais. Son teint, c'est la ciment. Mais dites plus que le teint de Madame Messan, dites que le teint du couple Messan. Vous êtes même comment? On vous a fait ça au village. On vous a fait ça au village. C'est le teint d'un couple. Vous parlez... Ati. Si vous voulez, vous avez le teint. Beaucoup de monde sur le balcon. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, hein. Le père. Hé, hey,
la rue, en fait, tu as dit quelque chose. Non, non, il faut parler du couple maison. C'est le teint du couple maison. Parce que chez nous, tout va de pair. C'est deux-deux. C'est pas vrai? C'est pas... Desert One. Desert One. Bien bête. Genau. The same thing. Only you understand? One. The one. Same thing. Donc quand vous parlez de Madame Messan, dites le teint du couple Messan. Ja. Hein? Ça n'est pas moi de lui. Je passe mon verre, je bois encore. Alors, on en a exorcisé combien? Non, là. Même chose. Les verres, si. Vous avez tout cassé. Les verres, si. C'est le style de verre qu'on appelait au Cameroun, tais-toi. Ah ben. Quand tu avales. C'est le verre que tu trouves pas. Quand tu avales, là. Quand tu avales deux verres là. Quand tu regardes Dynastie, c'est-à-dire, tu trouves les verres c'est là-bas. Ça, tu vas manger. Ça pèse. Il y a plus grand chose qui va rentrer dans le ventre. Faut avoir les pièces rares dans la maison. Merci Larissa. Ben, merci Larissa Nyank. Faut avoir les pièces rares. Ndomé. Voyez non. Deuxième verre ne passe pas vite. Hein. Monsieur Messon, rappelez-moi freestyle dans votre verre de couille. Ah bon? Ah bon, hein? Ça fait quoi, Mamoun? Serena Duval. C'est ah bien. Ah, bah là, alors ça, c'est facile. Mais j'ai fait ça pendant un moment. Ouais, ouais. C'est pas facile à avaler. Ça fait quoi? Je vais essayer. Aïe. Tous les matins, c'est Serena. C'est tous les matins, il faut le faire, Serena. Regardez le teint de l'enfant. Il n'y a pas de filtre, hein? Quand je vous dis de parler du couple, regardez le teint du couple. Arrêtez de dire le teint de Madame Messan. Regardez les doigts d'eux. Regardez les doigts du gars. C'est pour la santé. Ok. Ah, dans Christian. Mais Sirène est là. Elle est chez nous, hein? Mm-hmm. Ah, Sirène. Oui, hé. Donc, il y en a à côté. Donc, regardez. Il t'amène. Christine, là-bas, comment? Il est à côté de toi. Mais voilà. Comment Larissa, c'est ça. Il faut dire les choses comme ça. Ça, c'est le couple. Hein. Regardez les doigts du gars. Regardez les doigts du gars. Il y en a qui fantasment. Ce sont les ongles naturels. Il n'y a pas de rajout, c'est juste le verre. Il y en a qui fantasment. À une époque, on a fréquenté les démons qui fantasmaient beaucoup. Là. Je ne veux pas gâter ton dilemme. Vous savez que. Moi, je suis un prêtre exorciste. Hein. Les ongles naturels. J'ai pas d'heure pour exorciser, vous savez. Larissa. Ça sort comme ça sort. La mère de Berlin. Merci Berlin, Berlin. Je vous ai dit hier. Maman, likez le direct. Likez, partagez. Le 2 novembre. Regardez le mec qui vient de se réveiller. Le 2 novembre, c'est épinglé, hein. Nous serons slimés. Slimés, le 2 novembre. Nous serons slimés. On va aller faire l'amour. On va aller partager l'amour. Nous allons nous aimer. Maman Thérèse, qu'elle prend encore les biens. Ah, Maman Thérèse. Mmh. Maman Chou. Mmh. Prenez vos biens au restaurant. Le 2 novembre, nous allons nous aimer. Nous allons nous amouracher. On va faire le poula poula dans l'amour. Pas en cachet, en public. Et le dimanche, je vais inviter mes mamans quelque part. Et le dimanche, ce sera. Restaurant le chalet. Très très privé. Très très privé. Oui, oui. Tu on prenait vos bières. Sans oublier tout à l'heure. Vous savez que la reine, notre opa. Notre opa nationale. Oui. Celle-là qui nous rappelle. Les belles actrices américaines. Celle-là qui nous rappelle les belles actrices américaines. Dans son accouchement. Vous savez ces accouchements, non? Très américaine. Très américaine dans son accoutrement. Donc tout à l'heure, nous avons Tata Lolo, notre opa. Je ne sais pas comment elle sera habillée aujourd'hui. Larissa, mais c'est normal. On parle de mon teint? On en parle. Larissa, c'est normal. C'est... Mais pourquoi c'est dur comme ça? C'est normal ça? Avec ce sérum de la gloire. C'est de ça qu'il s'agit.
avec ce savon là. Donc, voici le temps. Vous voulez, ah, venez prendre ça. Kalamongo sera à la soirée. Mais Kalamongo accompagne Flo partout, non? Madame Maison. Oui. Mais c'est dur, hein? Qu'est-ce qui se passe là? What's happening? Parce que tu as dormi taillé. Aïe, 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 aïe. Même des commentaires, maman a commenté. Kalamongo accompagne sa maman partout. Est-ce que Kalamongo reste? Kalamongo est une sécurité pour la matière. Flore de Lille. Donc je disais ce soir. Voici ma gamme, maman. C'est la gamme que j'utilise. Je disais ce soir, Madame Messan. Oui, attends, je disais ce soir, ou alors tout à l'heure, hein. Invité surprise chez la Tata Lolo. Oh, Linda Monéré, comment tu vas, maman? Il y a une invitée de taille. Flore la douce. Bisous, maman. Il y a une invitée de marque chez Tata Lolo tout à l'heure. La fille Linda Monéré. Donc nous serons tous. Si vous êtes 1000 connectés, il faut 1000 partages. Lui, Niamé, ton grand frère. Oh, mon grand frère, mon frère, lui de Niamé, comment vas-tu? Merci, maman. Je suis en train de tenir mes choses. Ah, t'es souhaité, manao, lolo, n'a qu'il n'a rien dit. Je tiens mes choses à deux mains. Ma femme a quand même une peau douce. Hein. T'as dit, même la peau des fesses est douce. Comment tu fais ça? Mince. On va couper encore la partie. Elle a... Elle a une peau douce. Hein. T'as dit, même les fesses sont des. Comment tu fais ça? C'est Stade Beauty qui fait le son. Pop. Linda Monéry, comment vas-tu? C'est ça, maman, c'est ça que j'utilise, c'est cette gamme. La gamme. Mon frère, lui, de Niamé. Instant Globe de Bachta Beauty. Mon frère. Avec cette huile de coco. L'huile-ci, c'est. Mon PTT c'est de luxe. Chérie. Voilà les PTT. Donc, voilà les PTT. Maman Antoinette. Ils sont toujours là. Et comment? Tu vois, Fatima, quand je te touche, elle aime seulement quand je te touche. Fatima, c'est quoi ton problème? À chaque fois que je touche la star, tu montres tes dents. Laisse-moi. Ah, mais impératrice. À chaque fois, je la touche, maman, je montre tes dents. Linda Monéry, pardon. Hein? C'est quoi le problème? Je ne dois pas la toucher. Je ne dois pas la toucher. Je ne suis pas, en prêt comme les autres. Hein. Je ne suis pas en prêt. Hein. Moi, j'ai doté au village. J'ai doté au village. J'ai dit que je ne suis pas en prêt. Elle n'est pas en prêt. Est-ce que vous comprenez don't ça? Donne tes love aussi, Fatima. Moi, j'ai charbonné, j'ai payé, j'ai rempli les conditions des Bantous. Donc, j'ai le droit. Ou j'ai les droits. On n'est pas en plein. Kalamongo est malo, ça. Hein? On n'est pas en plein, là. C'est pas Kalamongo, c'est Kabongo. Ah, c'est Kabongo. Et il y a Kalamongo qui a écrit tout à l'heure. Comprenez, là. C'est pas le style que j'ai peur de ma femme que j'ai dans la maison. Non, je dors en toute sécurité. Et on parle des cheveux de Star Beauty. On en parle, du vrai cheveu. On en parle. Comprenez, là. Comprenez, là. Moi, j'ai pas peur. I need your comment. Quand elle est à côté de moi, par contre, j'ai peur quand elle n'est pas là. Mais quand elle n'est pas, merci, Fatima. La sérénité de ça. J'ai dit que même les peaux. Comment tu fais ça? Il te met même la crème ici derrière. Hein? Ouais, parce que même ici, là, le même thème. Qui met la crème ici? Hein? Non, question. Aidez-moi à trouver la réponse. Qui met même la crème ici, là? Sylvie Tellier, viens me répondre. Parce que la peau de derrière, là, et c'est... Vous savez les trucs comme ça. Regarde. C'est le même thème ici. Regardez. Non, mais sérieux. Voilà que je suis là. Fatima. Je veux boire toi un verre pour ça, pour faire du bien. Non, franchement, explique-moi. Ouais. Non, franchement, explique-moi. Hé, hey, direction assistée, là, c'est Johanna. Merci, Mamoun. Qui a écrit là? Direction demain, assistée. Tu es dans cette maison. J'aime pas la sorcellerie. Hein. Merci, Mamoun. Tu es dans cette maison. C'est suspect. C'est suspect, merci. Comment? Et qui vient écrire ça? J'ai dit non, voilà. Hein? Mamoun, comment tu as attention, hein? Je suis en train de me plaindre pour que vous puissiez m'aider, vous rigoler. J'aime trop m'embêter. Voilà mon cavalier, lui, mon frère, lui, avait dit que tu es comme un bail. Tu es son cavalier, voilà. Ah bon, hein? Il a dit qu'il allait porter toutes les okay. Mamounes. J'ai dit que je vais, comment? Il a dit que le deux, je porte toutes les Mamounes.
Il n'y a aucune exception, le 2. Je porte tout. Les mamounes. Mais attendez, regardez. Regardez ça. Mais tu ne vas pas me dérober du sujet. Qui te met la crème derrière? C'est Johanna. Qui met la crème derrière? Comment? Le derrière est comme. Mais je fais le sport. Je peux... Ma mère arrive encore ici. Comment ça? Ma mère arrive, regarde. Regarde là. Je peux bien mettre la crème de mon dos. Attends. Il n'y a pas. Mais attends. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Qui met la crème derrière? C'est Johanna, alors ça peut te rassurer. I want to know. Ma femme, Flock Chaps. Oh là, je vais te dire. La banaté de luxe. La banane. Oh là, bienvenue. Viens m'expliquer. Qui me trahit. Qui met la crème derrière? Maman, j'ai encore fait quoi? En tout cas. Qui met la crème derrière? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je prie seulement que le Seigneur vraiment nous garde. Madame Maison. Oui. Pardon. Oui. Ne change pas le sujet. Je ne change pas. Je lis maman qui a écrit. Tu sais que comme. Depuis un moment, tu n'aimes plus qu'on fasse les choses sous la lumière. Tu éteins toujours la lumière. Non, je ne t'aime jamais. Je ne sais même pas pourquoi tu étais arrivé. Non, je n'ai pas remarqué que c'était aussi clair derrière que devant. Non, je n'étais pas. Donc, vraiment. Non, je ne t'aime pas. Il faudrait que tu me dises. C'est vrai qu'avec ce matin, avec les yeux de la fatigue. Linda, pardon, ne coupe pas mon bébé. Avec les yeux de la fatigue, je n'ai pas remarqué ça. Mais franchement, comment ça se fait? Et puis je voulais savoir, mais pourquoi tu étais à la lumière de moi? Dans ce sabotage là. Avec les mamans, on va faire ça ici que le papier là. Tu as peur de mon regard? C'est Sirénée qui écrivait tout à l'heure là, oui. Sirénée, tu veux passer en direct? C'est pas Sirénée là, quelque chose à dire. Sirénée a dit qu'on va danser. Un point dit impossible, ressort, tu relances. Sors complètement du direct et tu reviens. Non, mais franchement. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu voudrais que j'enlève les lunettes? Tu as peur de mon regard? Tu es la seule qui voit mais mes yeux. Il y a la vidéo d'Azaï que tu as partagée aujourd'hui de YouTube. Mais là, tu n'as pas les lunettes, donc... tu n'avais pas les lunettes. Non, je parle de toi. Je parle pas de... Mais pourquoi tu veux changer de sujet? Je ne change pas. Mais je parle pas d'Azaï. Je parle de quoi? Mais je dis, pourquoi tu étais à la lumière ces derniers temps? Tu as peur de mon... d'affronter mon regard? Non. Elle a peur d'affronter mon regard. Tu as les yeux irrésistibles. Tu as vu ce qu'elle a dit? C'est vite rien. Attends. Fais-lui un bisou, il va plus rien dire. Lui là, quand il veut m'intriguer, maman, laisse tomber. Quand il veut m'intriguer, même si je fais 10 000 bisous là, il va toujours m'intriguer. Je suis au sol. Hé, hey, Flo, tu as regardé à l'eau. Lord Chamba. Lord Chamba. Tu veux le bisou? Oh. Est-ce que le bisou c'est un problème? Est-ce que le bisou c'est un problème? Dites-moi donc. Vous avez vu, non, devant vous, hein, c'est le troisième verre. Vous ne sortez pas ici. Oui. C'est le troisième verre. Hein. Je suis encore à Jean. Ça fait que quand je vais manger tout à l'heure, je ne prendrai pas grand-chose. Donc quand vous voyez les gens en forme, c'est beaucoup de travail. Fan club du couple Maison. Ton aïe là, c'est quoi? Ah, l'étoile influence. La star brille, hein? Elle n'a pas besoin de lumière. Mais, vous savez, quand vous rentrez sous un tunnel qui n'a pas de lumière, faut faire gaffe, hein? Vous n'avez pas remarqué que dans tous les tunnels, on met la lumière? Parce que si tu as une panne sèche ou un problème de voiture en plein tunnel sans lumière, c'est pas évident, hein. Et vous savez qu'il y a un certain Lord Chamba. Vous savez que comme il y a des voitures comme ça, il y a des pannes de moteur qui arrivent du coûtement. Et si vous n'avez pas de lumière, c'est un problème. Hein? Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi la star, mais bon. En tout cas, je n'ai pas besoin de lumière pour retrouver mes repères. Hein? Je, même sous la lumière, sous l'obscurité, je sais où les choses se trouvent. Quoi. Vous comprenez, hein? Je connais la position des choses.
Donc, avec ou sans lumière, de toute façon, ça se passe toujours très bien. Exactement, Sirina. Attends, tu es revenu là. On va essayer de te prendre. Oh là, Sirina a disparu. Mais Sirina, si tu veux, tu renvoies l'invitation. J'arrive pas à te prendre là. Monica Diaz, la fille de l'autre. Je maman disais. Tu me cherches, tu m'amènes. Je demandais à ta maman qui est-ce qui glisse la crème. Parce que j'ai l'impression que la peau. Ah, la peau, laisse-moi parler. Non, j'ai oublié. Laisse-moi. Je finis juste, tu parles. Laisse-moi parler. J'ai juste remarqué que la peau des fesses est aussi tendre, hein, est aussi douce que celle d'ici. Alors c'est là. On parle de ta mère comme ça, tu viens. Donc je lui demande qui c'est qui met la crème derrière. Je voudrais savoir. Marie-Françoise Faustine, bonjour. Fan club, tu as deux enfants. À cause de vous, de vous demander le père. Eh ben voilà, tu as deux enfants. Là, ma petite sœur est qui est là. Eh, hey, ma femme de Facebook est là. Tu as manqué à mon évangile aujourd'hui. Ça, mais ça, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai ça longtemps. J'avais pris ça en Suisse. J'avais pris ça en Suisse. Ils ont déjà tout cassé. Et les terres rares. Donc, mémé, quoi, tu vois, tu viens là, tu dis seulement coucou, star, et tu ne me vois pas. Coucou, sister. Bisous, ma sister d'amour. Voilà, elle a écrit. Yé, yeah, t'as jamais. Ok. Fait. Ok, bisous là-bas ma fille, quoi tu as. Mémé, j'avais pas vu. J'ai vu de vie. Il fallait écrire une fois. Coucou la star et mon père, non? Je voulais dire, Sandy Chou t'a envoyé un paquet depuis le Maroc. Waouh. Oui. Donc c'est... depuis là, il n'avait pas encore reçu ma moune. Tu as été envoyé un cadeau. Et tu as mis ça où? Elle veut que tu t'habilles en... Comment on appelle ça, ma moune écrit? Si c'est Djaba là ou quoi là. Le truc des arabes, là. En tout cas, tu que je m'habille quand? Elle t'a envoyé ton cadeau. Que je m'habille une fois il comme ça. Il est même là, je pense. J'ai oublié. Vous voyez les choses. Elle me parle de mon cadeau qu'elle a reçu ici, là, non, dans cette maison où on dort tous les jours. Yo, Chou, comment vas-tu? Coucou, Michel. Non, c'est le... Le Djalaba, non? On dit, ouais. Non, le véritable problème, c'est que je parlais ça en public. J'étais fâchée. Elle a seulement pensé à toi, elle n'a pas pensé à moi. Ok. Elle a dit que Boudet. Ok. Ma personne, Patricia de Toulouse. Et te baisse en public. Attends. Donc, mon cadeau est là depuis un moment, tu as gardé. J'ai non, avec le deuil, j'avais le deuil. Donc, c'est depuis le deuil? Oui. À Tchandrimbe. Depuis le deuil, c'était à Paris. Le cadeau là, il est à Paris? Non, il est déjà ici, je pense. Tu peux aller chercher. Bien sûr, il est où? Attendez. Dites-moi aussi, moi je ne comprends pas. Il y a mal ça. Non, il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ma fille, c'est ma petite soeur. Mais. Bon, je vais prendre ton cadeau parce que j'aime. Ma femme de Facebook. Parce que j'aime ma petite soeur. Viens chercher. Est-ce que tu comprends ça? Quoi? J'ai reçu un cadeau ici. Donc nous sommes allés au Cameroun. Mais c'était une surprise. C'était pour l'anniversaire de ta belle-sœur, Françoise, et Madame Tondola. Ah, c'était pour mettre au Maroc. Ok, je comprends maintenant. Ah oui, son anniversaire est passé il y a 2 semaines. Ok, parce qu'en principe, on devait être au Maroc. On devait être au Maroc il y a 2 semaines, mais on n'a pas pu... je comprends. Mais bon, on va se rattraper. Je vais le mettre avec plaisir. C'est-à-dire, hein, chacun a son proverbe ici sur la toile. C'est encore sur Paris. Non, là, vous me jouez quel tour? Non, c'est encore sur Paris. Parce qu'elle a envoyé les gants à vendre. Vous avez vu, non? C'est encore sur Paris. Elle me dit que mon cadeau est dans cette maison. Non, c'est encore sur Paris. Elle redescend en même poussant avec ses signes-là. Que c'est sur Paris. Et c'est chez Flore. Flore, tu viens ici. Flotcha vient ici. C'est toi et moi, on parle tous les jours, tu ne me dis rien. C'est ta femme, non, c'est ta femme Bangante, elle a gardé. Et pourquoi elle ne me dit rien? À Flor Lona. Est-ce que tu as vu Flor depuis? Flor Lona. Elle me sait que c'est chez Flor. Amène les arguments ici.
C'était la magie à Marrakech. Si, c'est là-bas, non? Tu vois, non? C'est chez Flo. Je sais que c'était la magie à Marrakech, mais pourquoi tu as gardé mon djalaba? Mm-hmm. Et tu ne m'as même pas dit. Why? Tu as tout compris. Qui a tout compris? C'est... Qui a tout compris? C'est... Par rapport à mon djalaba? C'est Benoît. Benoît qui a écrit. Il dit quoi? Benoît, tu as tout, c'est bon, c'est déjà passé. Benoît, tu as tout compris. Vous savez quoi? Quand des choses commencent à vous échapper chez vous, vous êtes en danger. Voilà ça que je déclare ici. Voilà ça que je déclare ici chez vous, devant vous. Quand des choses commencent à se passer chez vous... T'inquiète pas, ton anniversaire est passé depuis... Donc, il n'y a pas d'anniversaire chez vous. Comprenez, non? Non, n'inquiète pas. Quand les choses commencent à se passer chez vous, les choses que vous ne contrôlez plus... C'est chez elle, regardez, confine. Qui a donné mes mesures? C'est toi. Mais qui a donné... Mais tu fais... maintenant, vous voyez, là. On parle devant vous. Vous-même, vous allez juger. L'associé, mon combat, pour tout ça de Toulouse. Bien sûr que c'est moi. Mais comment tu m'as épousé, pourquoi? Tu m'as adopté, pourquoi? Tu m'as mené à l'église, pourquoi? Mais tu as raison. Voilà, donc ne pose même pas cette question. Mais comment un moment donné, tu dis que c'est ici et après ici? Et tu es même allé chercher? Oui, parce qu'elle m'a envoyé un paquet de gants. Je pensais que c'était à l'intérieur. Donc ton gant, toi, est arrivé ici. Et le mien est resté à Paris. Non, c'est pour le commerce, ça n'a rien à voir. Non. Toi, ton djalaba que tu devais mettre au Maroc, il est où? Non, il n'est pas là. Je ne l'ai pas. Il est où? Il est au Maroc. Je suis fâchée contre elle. Il est au Maroc. Il est au Maroc. Elle est là, non? Elle peut confirmer. Flore est là. Donc, c'est encore au Maroc. Donc, si on était parti, toi, tu n'aurais pas eu de djalaba. Tu comprends pourquoi je n'ai pas envie de parler. Ok. Maintenant, tu comprends? Je ne comprends pas. Tu comprends? Je ne comprends rien du tout. Parce que quand on m'envoie quelque chose, dis-moi comment. C'est à moi, non? C'est comment? Arrête de me cogner tes fesses comme ça. Non, le problème, c'est que j'ai jamais oublié. Arrête de me cogner les fesses comme ça. Tu me disposes devant les gens. On risque de voir les choses sortir de partout là tout à l'heure. Laisse-moi. Tu sais que quand tu as déjà un corps fatigué comme le mien, il faut faire attention. Amène-moi doucement. Bon, tu veux que je quitte. Je quitte. Je dis que. Non, on repose. Quand on disait que. Je lui demande de mettre le fer. Il ne fait que mettre le voiture en vitesse. Amène-moi doucement. Bon, je quitte alors. J'ai dit que... Ok, je quitte. Amène-moi doucement. Tu m'as abusé. Attends, tu là, tu fais semblant. Pourtant, tu veux que je reste collé là. Tu m'as habitué à la tendresse, non? Mais je suis tendre. Douce. Mais, comment tu me brutalises là? Amène-moi doucement, non? Amène-moi doucement. Ne me mets pas dans tous mes états ici. Ouais, ton frère est grave. Attends, on a environ 300 personnes, là, tout le monde doit connaître mes états, c'est comment? Ton frère est grave. Amène-moi doucement. Faut quand même respecter mon âge. Hein? Est-ce que tu as mon âge? Est-ce que tu es sûr que ce que je fais, quand tu auras mon âge, tu pourras le faire? Pardon, likez-moi ma vidéo. Likez-les, mettez-moi. Tu es sûr que ce que je fais à mon âge, tu pourras le faire? Partez à Toulouse. Viens lui poser la question. Flo, tu arrêtes de rigoler. Dis à ta co-épouse la vérité. Flo, envoie-moi une photo ici. Envoie-moi une photo sur mon numéro privé, s'il te plaît. S'il te plaît, la bique. S'il te plaît, ma grande soeur d'amour. Voilà ta fille Sandy Chou. Elle a déjà bu mon papounet. Sandy! Roger me l'a chanté. Oui, l'autre. Sandy. Si proteste à Mamoun. C'est quelle position? C'est que... Ouais, que... Et pourquoi c'est moi le commencer tu veux commenter là que comment? Tu veux t'appuyer sur ça? C'est quelle position? Mais comment? Elle m'indispose devant vous. Non. Et pourtant, je suis quelqu'un qu'on doit amener doucement. Moi, je suis comme un moteur diesel, tu le sais, non? Je démarre tout doucement. Est-ce que je veux vivre? Ah bon? Quand j'ai... Donc, tu ne me connais plus. Attends, tu ne me connais plus. Attends, dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Attends, regarde-moi encore. J'ai changé depuis ce matin. Tu ne me reconnais plus. Non, tu es... T'es juste... Ce n'est pas moi. Tu changes très bon. Amène-moi doucement. Amène-moi seulement doucement. C'est que c'est doucement que... C'est le coquet de cette nuit. Où ça, mémé, il a dormi à 6 heures.
10 heures. Mémé, il t'était en direct, j'ai fait comme ça là. Non, ne fais pas, ne fais pas, ne ma, fais pas. Ma fille, après, j'étais fâchée. Pour négocier avec ta maman ce matin, c'était pas évident. Hein. Tu me couches si j'étais fâchée. Bonjour. Mais... le couple Android. En personne personnelle, comment on ne voit pas ton visage, hein? Mon couple préféré. Tu sais que, hey, ma personne personnelle, tu es en train d'assurer ton cocotier. Ne vous combattez, vous combattez une vampire, vous êtes un vampire. Il faut qu'on puisse voir l'écran. Ah oui. Attends, tu es en train de jouer ton cocotier ou c'est comment? Je suis en train de rien de faire. Parce que la façon que tu es... c'est dimanche, grave, hein? Dimanche et grâce matinée. Toi, tu n'as pas compris. Non, mais c'est ce que moi, je viens juste de me réveiller. Ça fait 15 ou 20 minutes. En tout cas, tu connais le programme, non? Ah, ça toujours. La voilà. Vie est belle. Non. La vie pour les jaloux. Attends, est-ce qu'il y a encore les jaloux? Le seul homme qui se déplace avec son confort. Est-ce qu'il y a les jaloux qui se déplacent? On n'est pas au courant. Ma personne, il fait ton sourire pour tuer quelqu'un. les jaloux sont de quel côté, ma personne? On n'est pas au courant. Hein. Ils sont dans... nous, on... dans un trou quelque part là-bas, en Afrique. Non, nous, on vit dans un environnement qui a beaucoup d'amour, donc on ne connaît pas les jaloux. Ma personne est en train de taper les moustiques, elle est là. Ma personne, le 2 novembre, j'étais en train de dire que nous allons faire l'amour en public. On va distribuer l'amour. Ou bien. On va distribuer de l'amour. Les gens vont voir ce que c'est que l'amour, ce que c'est que aimer. C'est la bonne humeur là qui veut tuer les gens, ma personne. C'est ça. Je dis que c'est ta bonne humeur qui veut tuer les gens. Mais je suis pas au courant. Toi, tu me parles de qui? Je suis sorcier quelque part en Afrique qui tape les moustiques à l'œil, c'est avec les lames. Je suis avec les... ma personne. Je suis un prêtre qui exorcise. Est-ce que je connais les sorciers? Moi, je parle avec le Saint-Esprit. Mais, Pato, ton église de samedi soir, là, c'était la magie. Mais tu parles de quoi? Tu dois exorciser. J'ai trouvé ma nouvelle vocation. Ah non, et ça donne, hein? Non, j'ai trouvé ma nouvelle vocation. Dieu m'a dit, Jean-Louis, tu as beaucoup du monde, tu as du monde qui te suit. Il faut sortir mes enfants de la mer. Il faudrait que les bébés égarés, tu les ramènes à la maison. Et ça, c'est vrai que tu as vraiment beaucoup, beaucoup de bébés égarés là, hein? Mais voilà. Donc, je suis au boulot, il faut vraiment m'aider. Mais ça, quand c'est Madon, la plénorie que tu connais là, ça peut tuer les gens. on n'est pas au courant, ma personne. Tu sais que quand tu es un homme public, c'est les autres qui te disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais toi, tu sais ce que tu es, non? Ça, c'est clair. Mais voilà donc. Tu sais quand même, pasteur. Il y a quelqu'un qui disait à une certaine époque, on s'en fout des nègres à Paris, on ne parle pas des nègres. On est ici pour parler de l'amour. Ça, je confirme. Et c'est l'amour qui manque à certains aigris. Et j'ai demandé. Il y a vraiment beaucoup d'amour parce qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et j'ai demandé ma personne. J'ai demandé à toute ma famille, Facebook, Facebook, qui sera au 2 novembre. Tout le monde sera moulé parce que je dois porter tout le monde. Ah, et tu as les bras pour ça, hein? Mais attends, j'ai dit que je dois porter. Donc, vous devez tous vous mouler, que quand je vous regarde, moi-même, j'ai dit seulement à la salle que tout est là, tout est. Ouais, le type. Le type. Tout est là, tout est. Donc, vous tous là, Mémé, Nadège, en tout cas, j'ai dit à Rivière, revenez au courant. Je lui ai déjà dit, ça y est. Tout le monde doit être moulé. Ou bien. Ou bien. Et nous allons faire l'amour en public. Nous allons distribuer l'amour. Madame Bessam. Qui te peut? Ma personne. Personne. J'ai demandé à ta soeur tout à l'heure que comment ça se fait que la peau des fesses est aussi tendre que la peau des seins. Mais parce que c'est une belle femme, tout simplement. Mais qui met la crème derrière? Personne n'est jumelle.
Quoi? Dis donc, sors de mon direct, sors, vas-y, sors. Dis donc, sors de mon direct, sors, merci, au revoir, bon dimanche, ciao. C'est tout à l'heure, mon direct, maintenant, je vais chasser le matin, maintenant, c'est tout. Passe-moi, soyez soutien, ma personne, mais là, je ne sais pas du tout ma personne, vraiment, au revoir, on n'est plus ensemble. Ça, monsieur médecin, je fais un ange. Alléluia. En tout cas, c'était pour vous souhaiter un bon dimanche, vous faire un gros coucou. Merci, ma soeur d'amour. Merci, voilà. Merci. Et vous dites que j'aime vous voir comme ça, donc, procurez toujours de l'amour, c'est le plus important. Merci, ma personne, de toute façon, tu sais ce que je sais. C'est tout, je vous aime. On t'adore. On aussi. Bisous, bisous. On t'adore, surtout, on va t'adorer le 2 novembre à Moulin. Ou bien, en string, tu me dis. En string, tu me dis. À un moment donné, on va éteindre les lumières. Je m'en vais, pardon. Bon dimanche, ma personne, on est ensemble. Donc voilà, vous avez vu, non? Devant vous, j'ai bu mes 3 verres d'eau. Benoît. Maintenant, je peux manger. Là, tu peux aller manger. Je dois réchauffer un peu. Oui, un tout petit peu. Là, je vais manger, pas beaucoup, parce que le ventre est déjà plein. C'est comme ça qu'on fait, la famille. Il n'y a pas de la sorcellerie dans ça. Tiens, non. Pardon? Je ne sais pas. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Tu veux un peu de gruyère? Oui. On prend juste soin de son corps. Après beaucoup d'efforts, parce que nous, vous savez, après la cinquantaine, il faut prendre soin de son corps. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas exagérer, ni dans l'alcool, ni dans le sexe. Tout doit être mesuré, quoi. Et tout ce que je vous ai présenté là, très important. Voilà, l'eau flore. Quand je parle du sexe, elle est tombée là. Elle peut rire. On parle du sexe. Vraiment. Les bagatés, on vous a fait ça au village. Les bagatés, on vous a fait ça au village. Balais croquant. Voilà. Ah, ok. Balais croquant. Tu vois la réponse? Tu m'as dit, Charles, je te chauffe. Il dit, on dit oui, mon amour, on ne dit pas oui. Attends, là, il dit que. En tout cas, merci. Mais moi, je ne dis pas mon amour. Moi, je dis chat. Hein? Balin, moi, je dis chat, je ne dis pas mon amour. Donc, voilà, vous voyez, il faut faire attention. Quand on dispense beaucoup d'énergie, il faut savoir se reposer. What a grand village, you look so sweet and tender. It's been a long, long time that I've been praying so that one day, you'll be mine. I am so glad. Valissa est vous là. Oh, là, elle est arrivée alors. Ah, elle arrive. Voilà, alors, tu vois, Valissa. Voilà la femme des ordonnées qui arrive. Moi, je m'en vais. Quand Valissa arrive. Non, les mamans, il y a plus de 300 personnes. Likez, non, et partagez, c'est comment? Valissa, quand elle arrive, c'est que c'est mauvais. Likez, s'il vous plaît, les mamans. Il n'y a même pas 200 likes. Est-ce que c'est bon alors? Dans la famille, on est ensemble. Bon, ben, je vais te laisser avec tes mamounes. C'est bon, moi, je veux. Ah, tu n'as pas encore mangé? Ah bon? Mais tu es forte, hein? Je dois pas être. Avec tout le boulot que tu as fait ce matin? Toi, tu t'es levé à quelle heure? À 8h, 9h? 8h, non, 7h, carré les enfants, 7h, je t'ai dit. Et jusqu'à 7h, tu n'as pas mangé? Rien, que 2 verres d'eau. Et monter. Mais ça veut dire que je t'ai donné beaucoup d'énergie ce matin, là, pour tenir jusqu'à 7h. Je veux perdre. Mais je veux dire, l'énergie que tu as reçue, là, elle est... Ça va, hein? Ou bien? Non, me laisse pas faire. Donc, franchement, depuis 7h, tu tiens jusqu'à 7h, mais franchement... Le mien, tu gardes. Franchement, c'est la peau, hein? Mm-hmm. T'es forte, hein? Je bois de l'eau. En tout cas, je dis merci encore à ma belle-mère. T'es passé par la bonne école. Merci. Franchement, une femme qui ne sait jamais dire à son mari que, voilà, non. Tout ce que son mari dit,
C'est oui. Ne vous inquiétez pas. Vous avez ton règle. Mais non, un bisou. Allez. Même le bisou est doux. Hein. La fille, la femme, si. La femme, si, amène-moi doucement. Amène-moi doucement. Amène-moi doucement. Amène-moi doucement. Ah. Comment tu veux me faire? Mais amène-moi doucement. Bon, amène ça fait un bisou. Ouais. Bon, mais ça fait un bisou à la star. Mais c'est fait, non? Bravo. Elle m'amène fort, fort comme ça. C'est comment avec la femme fille. Attends. Je croyais que. Était... Non, je sais que toi, tu n'es jamais rassasié. C'est une bonne femme, ça, elle n'est jamais rassasiée. Elle est toujours prête. Ça a bien mal, ça pose ta femme en plein live. Ça fait partie de ses qualités. C'est pour ça que je dis... En plein live, tu me sabotes comme ça. Non, je dis la matière. Non, mais c'est pour expliquer aux femmes que quand vous voyez un mariage comme ça, vous savez, dans un mariage, il y a toujours... Je vais dire, c'est la femme qui tient le flambeau. C'est-à-dire pour que les choses se passent bien, il faut avoir une bonne femme qui te met à l'aise à tous les niveaux. Quand un homme est à l'aise, il est prêt à tout. Si elle me demande là maintenant, franchis cette fenêtre, je vais la franchir. Parce que je crois en elle. Nous sommes deux, c'est ma... Les oiseaux du bonheur, tu dis quoi? Bon dimanche. On avait quoi dit? Bisous là-bas, bon dimanche. Donc, quand vous voyez un couple heureux, c'est la femme qui fait tout le boulot. Trop une longueur pour que maman donne, c'est clair. Une longueur qui pousse. Vous avez vu, non? C'est pour ça qu'il dit, amène-moi doucement. Amène-moi doucement, en tout cas. Merci, Yankee. Et pire, dans tous les cas, il faut aimer vos femmes. Il faut valoriser vos femmes. Voilà. Quand une femme est en confiance, vous êtes l'homme le plus heureux de la terre. Vous êtes heureux, vous dormez en paix, vous êtes calme, vous êtes tranquille dans la tête. Quand vous vous levez le matin pour aller bosser, vous vous levez avec une bonne énergie. Je m'en vais bosser pour ma famille. Parce que j'ai une femme qui m'aime, j'ai des enfants qui m'adorent. C'est important. Leur couple est spécialiste. C'est très important. Alors, le travail d'un couple. Ça love the couple spécialiste de wife. Thank you so much, darling. Attends, Vanessa a dit quoi? Vanessa, elle a dit. Thank you so much. Non, nous sommes bons. Elle a dit quand le cocotier va se secouer. Quand tu vois, tu sais. Mais bien sûr, comment? Pourquoi m'aimer? C'est ça. Pourquoi maman m'aimer? Donc franchement, c'est la femme qui fait les... En tout cas, c'est, je veux dire, les 80% de boulot. Hein. Quand vous voyez un homme heureux... Parce que bon. Tout aussi. Non, il y a longtemps. Elle... Avec sa longue bouche là. Avec sa longue bouche là. Quand sa bouche là. Quand sa bouche là. Vraiment, amène-moi doucement. Hein. C'est mon comment. Amène-moi doucement. C'est la femme qui fait le boulot. Et il faut trouver. Il faudrait que Dieu donne à chacun des hommes la chance de trouver une bonne femme. C'est très important. On en rigole. Mais il y en a qui souffrent. Comme je vois un jeune ici de ces derniers temps. Il est fou, amoureux de rêve, Biali. Non, c'est un don de Dieu, Benoît, je le sais. C'est une bénédiction divine, je le sais. Merci, Sarah. Je le sais. Donc, vous voyez comme il y a un homme ces derniers temps. Il est très amoureux. Like mes amours. Qui c'est? Donne-moi mes... Mais c'est une femme. Mes 300 likes. Il y a des gens qui sont en manque d'amour ici dehors, like. Qui ont besoin d'amour. Il y a des gens qui passent des mauvaises journées, qui ont de l'argent, qui ont des bons boulots, qui ont un bon logement, mais l'amour leur manque. Beautiful lady, thank you. Certains qui ont même eu des enfants, mais l'amour leur manque.
Et quand ils n'arrivent pas à trouver, ils deviennent des aigris. Quand ils voient des gens amoureux, ça les dérange. Quand ils voient deux sœurs, les yams sœurs qui s'aiment, ça dérange. Quand on voit Jean Lumessan qui aime toutes les personnes qui sont autour, ça dérange. Parce que ces personnes n'ont pas d'amour. Quelque part, il faut comprendre, quelquefois, il faut comprendre ce que vous vivez, ce que vous avez autour. Il y a trop de malheureux en amour autour de nous. Il y en a énormément. Il y en a énormément. Et il faudrait que les gens, surtout les hommes, fassent le boulot. Parce que toutes les femmes, ce n'est pas toutes les femmes qui sont en couple, qui sont heureuses. C'est pour ça que j'apprécie ces femmes qui ont décidé d'être seules. Parce qu'elles ne voudraient pas être mal accompagnées. Il y en a qui ont pris cette décision d'être seules jusqu'à ce que Dieu envoie quelqu'un de bien. Parce que quand tu te mets en couple par condition, ou alors tu te mets en couple parce que tu veux prouver à quelqu'un, tu n'es pas heureux, tu souffres. Et quand tu vois les gens heureux, ça te fait très mal. Exactement, mémé, c'est ce que je suis en train de dire. Exactement. Il faut vivre avec la personne qui te plaît. Il faut vivre avec la personne qui te rend heureux. J'ai suivi un live de rêve il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, je pense. Elle a dit qu'elle est une femme indépendante. Mais elle attend l'amour. Elle espère qu'elle aura quelqu'un qu'elle aime et qu'il aime. Mais elle n'a pas besoin de se mettre avec quelqu'un pour prouver à X ou à Y. Tu te mets avec la personne qui t'aime. La personne que tu aimes. La personne que tu sens vraiment dans les tripes que c'est ta personne. Vous voyez, non? Et ça, quelquefois, avant on ne comprenait pas ça. Avant on ne comprenait pas ces femmes qui vivaient seules. On se demandait des fois pourquoi les femmes vivent seules. Mais oui, on vit seul aussi à cause des déceptions. On vit seul aussi parce qu'on a envie vraiment de trouver la bonne âme sœur, la véritable âme sœur. Ce qui est rare aujourd'hui. Et je comprends ces femmes. Je comprends ces femmes parce qu'il y a trop de... Comment on appelle ? Il y a trop de joueurs. Les hommes s'amusent beaucoup avec les femmes. Les hommes ont pris l'intérêt, ils ont mis devant. On a mis l'intérêt. Les gens ne veulent plus aimer. Quelqu'un vient vers toi, il vient déjà avec des calculs. Et je peux comprendre ces femmes qui sont seules. Mais je peux leur dire que, avec beaucoup d'efforts et par la grâce de Dieu, elles trouveront quelqu'un. On a des exemples tous les jours. Regardez une jeune femme, je vais encore parler d'elle, Rebbiaï. Cette fille rentre dans des jeûnes de prière. J'ai vécu ça avant-hier. Elle a prié avec ma femme et leur groupe de prière de minuit à 6h du matin. Elles priaient. Sans Dieu, on n'est rien. Elles ont un groupe de prière. De minuit à 6h, elles étaient en prière. J'entendais, j'écoutais, je suis dans le sommeil et tout ça. Donc, est-ce que vous croyez que quand vous vous mettez comme ça, vous vous donnez à Dieu, vous lui demandez des choses, il va vous les donner? Moi, c'est ce que j'ai eu. Quand j'ai rencontré ma femme, j'étais tellement dans la prière parce que j'en avais marre de la vie que je vivais. C'est la clé, voilà. J'en avais marre. Je voulais quelqu'un avec lequel je me sens bien. Et Dieu m'a envoyé cette personne. La femme n'a pas le droit de souffrir en mariage ou en couple. La femme, c'est quelque chose de doux. La femme, c'est quelque chose de généreux. La femme, c'est quelque chose d'aimant. La femme ne renvoie que de l'amour. Quand tu vois une femme renvoyer de la haine, elle est en manque d'amour. Une femme qui est amoureuse, tu ne la verras pas dans des choses de haine. Tu ne la verras pas. Parce que la femme, elle est née pour être aimée et renvoyer cet amour. Mais quand tu n'en as pas, tu deviens aigri, tu deviens un démon. Et ce n'est que les hommes qui peuvent amener ces femmes. C'est pour ça, les hommes, il faut arrêter de jouer avec les femmes. Quand vous êtes avec une femme, c'est vrai que les femmes aussi ne sont pas faciles. On trouve des femmes très compliquées, mais je veux dire, certaines. Une femme doit être aimée, une femme doit être protégée, une femme doit être valorisée.
quand la femme a tous ces éléments autour d'elle, vous allez voir votre vie briller. Vous-même, vous n'allez pas vous en rendre compte. Exactement, rêve, c'est bien. Le prophète sera apparu le 19 octobre. Pour ces âmes qui voudraient se faire libérer, venez le 19 octobre, vous allez découvrir celui qui a prophétisé sur la naissance des enfants du couple Messant. Celui qui a prophétisé. Quand il m'a vu, il a vu ma femme la toute première fois en entrant dans son église. Il dit, l'année prochaine, vous reviendrez ici. Et vous voyez comment le monde est petit. Pendant qu'on était avec lui, on ne savait pas que c'est aussi le prophète de rêve Biaï. Vous voyez comment le monde est. Les gens, quelquefois, ont des acquaintances, ont des rapports. On ne sait même pas comment ça se passe. Et pourtant, quelque part dans le subconscient, ces gens étaient ensemble. Voilà rêve. Avant qu'elle ne parte du Cameroun, c'est ce prophète qui priait pour elle. Elle est partie du Cameroun, elle est toujours avec le même prophète. Et nous, on vivait ici, on va au Cameroun, on rencontre ce prophète. Et aujourd'hui, rêve est dans le même groupe de prières que sa sœur. Elles font des prières avec le même prophète. Merci mémé. Donc je voudrais dire aux hommes, aimez les femmes. Les femmes ont besoin d'amour. Quand une femme est amoureuse, elle devient faible. Vous voyez ça? On appelle ça... le mets de pistache. Ça, non? C'est ma belle-mère qui a fait tout ça. Fait par le doigté culinaire de ma belle-mère. Ouais, non? C'est sur la page le nom du prophète. Comment je ne vais pas être heureux? Oui, vous pouvez manger. Okay. Les hommes doivent arrêter de faire du mal aux femmes. Attendez. Je finis, je vous sers. Mais les femmes aussi. Il faudrait que les femmes acceptent les hommes. Nous sommes rentrés dans un monde calculateur où rien n'est plus fait pour rien. Moi, quand je parle avec ma jeune soeur Mimi, par exemple. Oui. Oui, la montre charge. On va charger. OK. Quand je parle avec ma jeune soeur Mimi, une belle fille qui a une bonne situation, chef d'entreprise. Chef d'entreprise, elle emploie. Elle emploie les Européens en France. Une grande boutique. C'est pas n'importe où. Et pas n'importe dans quel quartier. Pas n'importe quel quartier. Chef d'entreprise de son état. Mais quand tu lui parles des hommes, elle te dit, mon père, j'ai peur. Il y a Denise qui voudrait introduire le groupe aussi. Denise dit de introduire dans le groupe de prière. Denise Yungi. Elle me dit, mon père, j'ai peur parce que j'ai eu trop de déceptions. Quand tu es avec un homme, tu sens que cet homme-là, c'est pas de l'amour. Parce que c'est aussi ça. C'est très, très important. C'est aussi ça des femmes d'affaires, le problème des femmes d'affaires, des femmes entreprenantes, des femmes qui ont des bonnes affaires. Oh, Inès. Quand un homme les approche, elle a l'impression que l'homme l'approche par rapport à son business. C'est très compliqué ce genre de relation. Quand tu trouves une femme assise et que peut-être toi, tu n'es pas autant assis que elle, ça crée des problèmes. Quand tu arrives, cette femme se pose mille et une questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça aussi, les femmes entreprenantes, les businesswomen, elles devraient penser autrement parce qu'elles-mêmes, quelquefois, elles peuvent être la cause d'une séparation. Quelquefois, on peut réfléchir. Ok, rêve. Mais tu as vu son nom, non? C'est Yungi, je crois. Voilà, vous pouvez inboxer rêve aussi. En tout cas, c'est exactement rêve. Le prophète sera là le 18 en Allemagne. Rêve a déjà écrit. Côté de Cologne, ok. Et le 19 à Paris.
Exactement, rêve. Ces femmes ont peur de s'engager. Pourquoi? Parce que elles pensent d'abord à leur matériel. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle dit que j'ai travaillé tout seul, j'ai charbonné. Aujourd'hui, je peux respirer. Regardez une femme comme Mémé. Quand tu arrives chez Mémé, un homme rentre chez elle. Elle est propriétaire. Elle a son business qui marche bien dans un quartier huppé de Paris. Quand tu rentres chez elle, tout de suite, elle pense que cet homme vient. Vient prendre ses pieds. Elle a peur de s'engager. Mais toujours est-il que l'engagement n'est pas facile. Pour s'engager, il faut prendre du temps. Donc même toi, l'homme, quand tu viens, tu trouves une femme comme ça, socialement avancée, si tu veux être avec cette femme, il faut prendre du temps. Voilà, Rêve a le même problème. Je sais, Rêve, on en parle très souvent. C'est pour ça que je dis, il faudrait que les femmes aussi n'aient pas trop peur, parce qu'en ayant trop peur, ça bloque beaucoup de choses. Il y a des hommes qui viennent aussi parce que vraiment, ils voudraient faire leur vie avec une femme, mais tellement elles trouvent la femme compliquée, des questions réticentes et tout ça. Et après, ils se disent, bon, ben écoute, puisqu'elle ne comprend pas. Mais je veux dire, nous les hommes, on a besoin de prouver aux femmes qu'on les aime. Surtout les femmes qui veulent prendre la place de l'homme. Exactement. Surtout. Je parle en connaissance de cause. Comprenez, hein? Moi, j'ai séduit Madame Essam pendant 2 ans. Ça? J'aime quand tu dis la vérité comme ça, là. Ouais. Là, j'aime ça, hein? C'est bon. J'ai séduit Madame Essam pendant 2 ans. J'aime quand tu dis la vérité comme ça. Parce que j'ai fait une rétrospection de mes différentes vies. J'ai dit maintenant, je veux une stabilité. Je rencontre une femme qui était aussi prête. Je monte, je descends. Je dis, cette femme, même la distance ne va pas m'empêcher d'aller au bout de ce que je pense. Parce que je n'aurais jamais imaginé que, à ce moment où je vous parle, je serais en Allemagne. Parce que l'Allemagne n'a jamais été un pays... Les mamans, likez la vidéo, partagez, s'il vous plaît. N'a jamais été un pays que je portais dans mon cœur. Non, c'est un pays que je n'aimais pas du tout. Likez. Je n'aimais pas du tout ce pays. La preuve, je vivais en Suisse. Quand je rentre la première fois en Allemagne pour faire les courses, c'est quand je rencontre mon enfant. Je ne venais même pas me balader. C'est-à-dire, l'Allemagne, je peux compter les fois que je suis entré en Allemagne avant de la rencontrer. Et tout bizarrement, le jour qu'un ami me dit, viens, on va faire la fête en Allemagne, je lui demande qu'on fait aussi la fête en Allemagne. Il me dit, mais oui. Et c'est ce jour-là que je la rencontre. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé à lui montrer que je voudrais vraiment qu'on reste ensemble. Toutes les erreurs du passé, je les ai corrigées avec elle. Toutes les erreurs, parce que je sais et je suis conscient que tout ce qui n'a pas marché avant, avec ma première relation, j'étais aussi fautif, même à 50%. Donc je veux juste, si je raconte cette histoire, c'est pour dire aux hommes qu'il faut prendre le temps de séduire une femme. La femme a besoin, même quand elle est amoureuse, elle voudrait que tu la rassures, que c'est elle le centre de votre vie. Parce que quand tu décides de bâtir avec la femme, mets la femme au centre. Ne mets pas la femme à côté. Tu la mets à côté, ça ne marche pas. Elle doit être au centre de votre vie. C'est pas facile, hein, tout ça. Hein. C'est pas facile. Ouais, tentation. Voilà, Valérie, voilà. Valérie, son mari, c'était pareil. Son mari n'était pas là, c'est ça. Il faut prendre le temps. La femme peut être amoureuse, tu vois qu'elle t'aime. Mais dans son intérieur, elle est réticente. Elle te piège. Moi, ma femme m'a piégé beaucoup.
Beaucoup, 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 beaucoup de femmes. Ah oui? Madame Messama piégeait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois pendant ces 2 ans. Elle m'a piégé beaucoup, beaucoup de fois. Ah oui? Est-ce que tu étais facile? Mais à chaque fois, est-ce que tu étais facile? Elle a compris que il a fallu du temps. Hein? Ce n'était pas de l'amusement. C'était, il n'était pas facile. Hein? C'était pas facile. Ouais. Quand vous voyez un couple, hein, c'était pas facile. C'était pas du tout facile. C'est pour ça que je dis, j'ai travaillé pendant 2 ans pour arriver à ce résultat. Parce que je peux vous dire que quand j'ai connu ma femme, si on avait maintenu cette relation séparée, que je la vois un week-end sur deux, je ne crois pas qu'on aurait abouti comme ça. Je ne pense pas qu'on aurait abouti. En plus, Valérie, c'est un têtu bassa. Hein? Ça, c'est notre marque de référence. Hein? La tétutesse. Les bassins sont les têtus. La tétutesse. Si j'avais maintenu cette distance, je ne sais pas si ça aurait. Parce qu'elle, elle m'a beaucoup. Hein? Elle me tentait, elle me piégeait. Elle... C'est pour ça qu'il fallait qu'on soit ensemble tout de suite et vite fait, bien fait. J'avais déjà vécu une relation à distance, donc je sais ce que c'est. Quand on est loin, beaucoup de choses peuvent se passer. Sans même vouloir, mais juste parce que voilà, on est dans un environnement qui fait que il y a des choses qui peuvent se passer et ça peut casser ta relation. Donc je n'ai pas voulu laisser cet espace, parce que quand tu le laisses, tu es sujet à beaucoup de choses qui pourraient détruire la relation. J'ai fait ces allers-retours pendant 2 ans. Je faisais 400 kilomètres, donc 800 kilomètres par week-end, pendant 2 ans. Je partais de chez moi, j'allais à Francfort. En fait, à une banlieue de Francfort qu'on appelle Mainz. Le ventre, le bas-ventre. Ouais. J'ai fait ça 2 ans. Le week-end, je pars. J'ai bousillé ma voiture à l'époque. J'avais une X5. 4x4 X5. Déjà, quand elle a vu ça, elle a dit « Waouh !» Non, je suis dans le pays, il y a les voitures. Parce que ces anciens, on n'avait que les 2 chevaux. C'est ça. Et c'était avec les vélos. C'est ça, ouais. C'est ça. Très grave. Quand j'ai atterri avec la X5, elle a dit, waouh, c'est un Suisse. Parce qu'elle sortait des 2 chevaux, des vélos. Et les... Merci, Nadine. Madame, tu viens. Et cette voiture a été bousillée juste pour lui prouver mon amour. Non, je me rappelle un soir, tu venais, tu es quitté de après le travail. Il y a eu un accident. Il y a eu un accident. Ouais. Tu as les choses, 6h ouais. du matin. Les choses que j'ai eues. 6h du matin. Je pars de chez moi. Je ne partais même plus de chez moi. C'était le travail direct. Quand je partais, je finissais, je prenais la route. Pendant 2 ans, essayer de Recknen, 400 km pendant 2 ans pour une voiture, tu la bousilles. Tu la bousilles. Il n'y a pas eu un seul week-end quand j'ai rencontré ma femme. Il n'y a pas un seul week-end qu'on ne s'est plus vu jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand elle m'a permis de venir, parce qu'elle m'a fait ramper hein, pour qu'elle m'accorde le premier rendez-vous. Et dès qu'elle a accordé ce premier rendez-vous, on ne s'est plus jamais séparé. Pendant ces 2 ans-là, il n'y a pas un seul week-end où même la maladie n'a pas fait que je ne prenne pas la route. Je prenne, pendant 2 ans, elle n'a pas bougé. Hein, c'est moi qui bougeais. Merci Nadine. Parce que les gens disent toujours que Mamoun, on ne sait pas le boulot que j'ai fait. Je pouvais à un moment donné me dire, mais bon, c'est trop loin. C'est vraiment long, tout ça. Non, j'ai dit non. Vous qui vivez en Europe, en Allemagne, en Suisse, vous connaissez la période hivernale. Même sous la neige, je prenais la route. Je prenais la route sous la neige. Quand je finis mon boulot à 17h, le vendredi, je prends la route. Et l'anecdote dont elle racontait tout à l'heure, j'ai pris la route une fois. Il y avait un accident. Un camion.
un camion citerne qui s'est renversé en pleine autoroute en Allemagne. Je suis parti à 17 heures de la Suisse pour aller la voir. Je suis arrivé à 6 heures le matin, le samedi. J'étais sur la route après avoir travaillé toute la semaine, toute la journée. Je prends la route. L'accident, la chaussée était, c'est un camion, je crois, citerne. Elle était, il y avait de l'huile partout. C'était à Karlsruhe. C'est vers Karlsruhe, ouais. C'était vers Karlsruhe. Et le temps de porter le camion et tout ça, vous connaissez les autoroutes allemandes, elles sont plus grandes que les autoroutes de la Suisse, dont les gens, merci Valérie. Les gens en Allemagne, vous savez comment ils roulent, hein, dont l'autoroute était bloquée. De 17 heures, je suis parti de la Suisse, je suis arrivé le lendemain samedi. Je n'avais pas dormi. Hein. On était au téléphone toute la nuit, elle n'a pas dormi. Parce que quand je venais, elle attendait sa frappe. Voilà, c'est lui qui dit pas connaître comment était le premier. Quand elle m'attendait, elle était en effervescence. Oui. C'est-à-dire que le vendredi matin, quand j'allais au travail, quand elle m'appelle, elle me dit qu'elle est déjà en effervescence. Donc quand le boulot finit, la taxe, je démarre ma voiture. Normalement, c'était 4 heures de temps. Dans ma tête, quand je finissais bloquer. Je sais qu'au plus tard, à 21h, je suis à la maison. Tata Lolo, c'est 19h. Au plus tard, à 21h, je suis à la maison. Ce jour-là, elle était comme ça. On était au téléphone. D'accord. Jusqu'à 6h du matin, je l'ai trouvée là. Au salon, devant la télé. On n'a même pas pu dormir dans la chambre. On a fini là au salon. Oh, maman Marie. On a dormi là au canapé. Ah oui. Notre enfant, waouh. Ah, quand même. Ma fille m'aimait, laisse-les désespérer. Laisse-les les désespérer. Est-ce que quelqu'un qui vit des essais de se comparer à une chef d'entreprise? Regarde, mémé, baleine, rêve. Est-ce quelqu'un, une chef d'entreprise qui emploie, tu payes les impôts et tu payes en euros, tu as des salariés en euros. Le goût de ça. Tu te compares à quelqu'un qui a tout perdu dans sa vie, qui vit du salam. Ne gâte pas. Faut même pas penser à elle. Donc je vous dis que ce jour-là, je l'ai trouvée assise au salon. Elle a la télécommande comme ça, le téléphone. Non, normalement, quand j'arrivais le vendredi, la table était bien faite et tout. Non, mais cette femme, hein, non, c'est une bonne. C'est-à-dire, je ne sais pas comment elle a fait avant. Ou bien elle me met là seulement chargée qu'elle va rencontrer, je ne sais pas. Bon, c'était pas destiné, les hommes. Parce que. N'était pas destiné. Cette femme, sa douceur, son accueil, tu ne peux pas bouger. Tu vas bouger comment? Tous les vendredis que Dieu a créés, quand elle m'attendait, et je la trouvais dans une tenue bien sexy. Parce qu'elle s'est emballée. Hein. Elle t'emballe, tu deviens fou. C'est-à-dire, elle t'emballe, tu ne te rends pas compte qu'elle est là. Elle t'embête, elle t'embarque. Ah oui. Hein. Et moi-même, j'étais tellement excité quand je finissais le travail. Ma ex-wife. Une bonne femme. Je pompais la voiture, surtout qu'en Allemagne, la vitesse est illimitée à certains endroits. Une bonne femme, c'est elle qui peut être la femme de maison. Exactement, enfants, exactement. La salope, et c'est ce qu'elle jouait. La femme de sortie, dont j'incarne. Donc, quand cette femme m'attendait le vendredi, quand ça le patronne à grosse tête. Mais j'étais content de partir en Allemagne. Et ce jour-là où il y a eu un accident, il dit que je l'ai trouvé au salon. Normalement, d'habitude, quand j'arrive, je m'assieds, on mange et tout. Non. Personne n'avait plus faim. Toi, tu n'étais pas. Et le sabotage. Personne n'avait faim. L'autre chambre est devenu le canapé ce jour-là. Jusqu'au petit bas. C'est-à-dire. En plus, à l'époque, il y avait un bon canapé qui était. Mais elle était en transe. Yeah.
Entrant, quand je suis rentré, déjà quand on était au téléphone, donc, jusqu'au parking, quand je me garais là, parce qu'elle était au premier étage, elle était au premier étage et par la fenêtre, elle voyait le parking. Donc, quand elle m'a vu me garer, je montais les étages. C'est-à-dire, je crois qu'à peine, elle m'aurait accueilli dans les escaliers, on aurait fini là. On aurait fini là. Parce que je suis rentré, même la famille, il n'y avait plus de famille. Il n'y avait plus de famille. Donc, c'est juste pour dire aux hommes. C'est pour dire aux hommes, il faut prendre le temps. Il faut prendre vraiment le temps avec les femmes. Tu peux trouver une femme, tu te dis que ce n'est pas la bonne. Essaye, regarde voir. Tu peux trouver une femme, tu crois que ce n'est pas la bonne. Tu peux trouver une femme, tu crois que ce n'est pas la bonne, parce qu'elle te fait des micmacs. Vous voyez, il faut insister. Donc, maman, Coco Chanel. Il faut insister. Le père, c'était appui. Bonjour, bonjour le père. Bonjour, papa. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Et maman? Bonjour. Elle va très bien. Tu sais, le père, je t'ai vu une fois. Une seule fois seulement. Maman. C'était appui tendu renversé qu'on a fait les jumelles. Moi-même, j'ai les jumelles. Appui tendu renversé. Comme elle le doit, appui tendu renversé. C'est la fortune qui te parle, le père. Je sais que c'est la fortune. Donc, ça, c'est la position des jumelles. Hein. Hey, appui tendu renversé. La fortune, attends, s'il te plaît. Attends, tu remontes après, ok? Attends, je te reprends. Ok, maman. Ok, maman. Donc, okay. Passant à l'utilisateur. Donc, c'est la position des... Parce qu'il fallait lire. Donc... Telle histoire, vraiment. Tata Lolo a son émission tout à l'heure. Ah, je viens de 19h. Donc... Laisse-nous écouter l'histoire. Lolo commence dans 12 minutes. Donc, on va aller tous là-bas bientôt. Donc, je vous dis que les hommes, quand vous rencontrez des femmes, parce que ma femme, elle est douce, mais c'est une femme de poing. Elle a une douceur parce qu'elle est née avec ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle fait. Mais c'est une femme qui a une force terrible. Elle a une force terrible. Donc, ça fait qu'il fallait que je travaille. Et entre-temps, exactement. Et entre-temps, comme je vous ai dit, elle me testait. Parce qu'entre-temps, tu sais, quand une femme te rencontre, elle prend des nouvelles, elle commence à apprendre c'est qui celui-là. Moi, j'avais pensé que je venais de très loin et que j'en avais marre de tout ce que j'ai vécu en Suisse. Je ne voulais plus quelqu'un en Suisse. Je préférais une femme qui vient vraiment de l'extérieur à commencer une nouvelle vie. Mais elle a pris des renseignements. Elle a pris des renseignements et elle a commencé à me tester. Et moi, à ma position de vieux renard, je me suis senti testé. C'est ça, ouais. Je me suis senti testé. Il y a des fois, je me demandais, est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter? Tous les efforts que je fais, j'ai l'impression que cette femme ne les voit pas. Pourquoi elle me teste autant? J'ai dit peut-être, il faut sauter le cap. Je l'ai prise, je l'ai amenée au Cameroun. J'ai dit, on va en Afrique. Peut-être que quand je la présente à ma famille, elle aura plus confiance et comprendra que c'est quelque chose de sérieux. On est parti pour une semaine seulement. Non, rêve, mais c'est vrai. Hein? On est parti pour une semaine. C'est une fausse notion. Et ça tombait que c'était le mariage ou alors la dot de l'une de mes nièces. La première fois, c'était pour le truc de papa. Ah oui, la première fois, c'était exactement. Oh là là, je me trompe. La première fois, c'était pour la. Comment on appelle? Les funérailles de mon père. Je lui dis peut-être en l'amenant, ça va. Et on a été, ça s'est très bien passé, accueilli par tout le monde. On est rentré, mais elle n'a pas arrêté de me tester. Les coups de fil,
mobile, le téléphone, parce que quand même, hein, on passait de lundi à vendredi, j'étais loin, on s'appelait, le soir des fois comme ça, je lui dis ok, chat, bonne nuit, elle aussi elle me dit bonne nuit, elle me rappelle par exemple à 2h du matin, et j'ai oublié de te dire, elle commence une causerie qui n'a même pas lieu d'être. Juste pour savoir si je suis vraiment à la maison, si je dors. Elle a fait ça plusieurs fois. Et ça, c'est les tests des femmes. Elle veut être rassurée. Elle veut se rassurer que comme elle dort, là, son mec aussi dort. Donc moi, tu ne me testais pas. Non, moi, je ne te testais pas. Tu ne me testais pas. Non, jamais. Hey, chérie, je n'ai jamais testé. Faut dire la vérité, ton cœur est ouvert. Je n'ai jamais testé. Mon cœur est très ouvert. Faut dire la vérité, ton cœur est ouvert. Je n'ai jamais testé. Okay. C'est l'amour, tout à fait, Bélan, Cancan, c'est l'amour, oui. Surtout que elle a eu des relations pas faciles non plus. Donc, à un moment donné, elle s'est dit, maintenant, je veux vivre avec quelqu'un, je veux avoir quelqu'un de sûr, et je n'ai pas envie que ce monsieur que je rencontre, que je suis en train d'apprendre déjà des histoires très fortes, qui me font même peur, que ce monsieur... Les histoires que j'entends là, c'est compliqué. Est-ce que ce n'est pas ma finition ici avec ce type? Donc, elle a fait beaucoup de choses. Et comme on dit, quand on aime une femme, on l'épouse. Au bout de 3 ans, j'ai épousé ma femme. Ah oui. J'ai dit là, c'est bon là, il faut aller vite faire. Tandis quand j'ai fait mon test là, les monter et descendre pendant 2 ans. À la 3e année. C'était pas rose, hein? J'ai dit là, c'est bon. C'était pas tous les jours rose. Mais quand même, j'ai compris que c'était ma femme. Mm-hmm. Parce qu'au bout de 2 ans, quand je lui ai dit, on était assis comme ça, dans son salon. Après. 2 ans, on avait eu Azaël. Après une bonne nuit. Hein, une bonne nuit bien torride. Très belle nuit. Je lui ai dit, non, on a vécu 2 ans à distance. La 3e année, on était déjà ensemble. Là, maintenant, on faisait le contraire. Ça veut dire qu'on passait toute la semaine en Suisse et on allait le week-end en Allemagne pour voir ton courrier et tout ça. Donc, on faisait complètement le contraire au bout de 2 ans. Mais ma fille était déjà chez elle. Parce que sa fille habitait déjà, justement, quand je l'ai connue, sa fille était en train d'aménager toute seule. Alors, c'est là où j'ai compris que c'était quand même ma femme, parce qu'au bout de 2 ans, quand je lui dis, ben voilà, je crois que je t'ai prouvé assez que je t'aime et que je voudrais être avec toi. J'ai fait ce qui a lieu de faire. Donc, demain dimanche, c'était samedi, on parlait. Je lui dis, demain dimanche, ou alors quelques fois je partais le lundi matin. Mais comme c'était la première fois que je l'amène en Suisse, donc on est parti le dimanche. Je lui ai dit demain dimanche, si tu m'aimes, on doit monter ensemble en Suisse. Parce que j'étais quand même, faut que tu saches, tu viennes quand même savoir où j'habite. Faut que tu vois aussi, voilà. Avant même que je ne finisse ma phrase, elle avait dit oui. C'est comme si elle attendait que ça. Tu n'avais même pas encore fini de formuler. Tu n'avais même pas encore fini de formuler la phrase. C'était trop sucré. C'est-à-dire, le temps que je vais me dire, mais je n'ai pas de problème. Et c'est comme ça que le dimanche, on prend la route. Je voulais que la décision vienne de toi, pas que je vienne m'infiltrer. Je viens parce que 2 ans, tu vis avec un homme. Regarde, alors, elle dit non, grand frère, recommence. Je te dis, rêve. Parce que les décisions, c'est l'homme qui doit prendre, pas la main. On a bien mangé après une très bonne nuit, le vendredi, une belle nuit, au petit matin, comme d'habitude, elle me fait un. Et ça, c'est resté jusqu'aujourd'hui. Le week-end, c'est-à-dire, je n'étais jamais pressé de me réveiller. Je trouvais la table, un bon petit déjeuner.
Et je lui dis que ma chérie, demain, si tu m'aimes, si tu sens que j'ai prouvé, quand je prends la route demain, là, je vais avec toi. Je dis qu'avant même de finir, comme on dit à la mairie, là, oui! C'est-à-dire avant même de finir de parler. C'est vrai. Elle me dit, waouh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais quand même à une petite discussion, mais tu sais, peut-être ma fille vient d'aménager, tu sais, non, il n'y avait pas de tu sais, il n'y avait rien du tout. C'était un oui. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Le dimanche, on a pris la route. Et maintenant, on a commencé à faire le contraire. Ça veut dire que toute la semaine, elle est en Suisse avec moi. Et le week-end, au début, on le faisait tous les week-ends. On allait pour le courrier. Après, c'était deux fois le mois. Et après, c'était une fois le mois. Et après, je lui ai dit carrément, faut que tu viennes de ce côté. Faut que tu viennes de ce côté. Et le mariage avec, tout de suite, tout ça est allé vite, vite, parce que moi-même, je me sentais, surtout quand tu as vécu longtemps, je ne sais pas les autres, je veux dire, quand tu as longtemps vécu seul dans la maison, où tu faisais tout seul, où c'est-à-dire quand tu poses ton verre ici, tu sais que ce verre va rester là jusqu'à ce que toi-même tu l'enlèves. Parce que je suis très maniaque. J'aime pas quand je sais que mes choses, je les pose là et que qu'on me les enlève. Mais on m'a expliqué que c'est l'habitude des personnes qui vivent longtemps seules. Et c'est ça. J'étais comme ça. Parce qu'au début avec elle, c'était pas évident. C'était pas très évident. Et quand elle est vraiment... Loulou, c'est pour bientôt. Hein? Ouais, c'est dans 5 minutes. Donc, quand elle a vécu à la maison avec moi, j'ai dit, waouh, je devais la voir tous les jours. Parce que ça, c'est une nouvelle vie. Hein? Quand tu as vécu longtemps seul, c'est une nouvelle vie de savoir que tu rentres tous les jours, tu as quelqu'un à la maison. Et il y a quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu aimes revoir. Tu rentres vite au travail. Tu rentres vite, tu es content, c'était très beau. C'était beau. C'était beau, quoi. Parce que chaque jour, c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, la femme, si quand elle décide de te séduire, tu vas seulement... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'était un sentiment nouveau pour moi, pour quelqu'un qui a vécu longtemps seul. Alors, elle ne pouvait plus jamais, non, on ne pouvait plus jamais se séparer. Ma femme, on ne s'est jamais séparé. La première fois qu'on se sépare, depuis qu'on se connaît, la toute première fois qu'on se sépare, je dis bien la toute, c'est là pendant le deuil de mon frère. Là, pendant le deuil de mon frère, elle est partie une semaine à Paris. Pour préparer la veille. On ne s'était jamais séparés depuis que je l'ai rencontré. C'était la toute première semaine, la toute première fois qu'on se sépare pour une semaine. Parce que moi, je l'ai rejoint le vendredi. C'était la toute première fois. Je peux vous dire que c'était pas facile. C'était pas du tout facile. On a toujours du plaisir à avoir à côté de soi la femme ou l'homme qu'on aime. Mais pour arriver à ce niveau, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup, il faut prouver à la femme. Il faut lui expliquer que tu l'aimes. Il faut lui expliquer qu'on a peut-être fait des erreurs avant, mais qu'au jour d'aujourd'hui, je suis un autre homme et qu'on peut bâtir ensemble. C'est sur ces mots que je vais vous laisser parce que je constate que Lolo, elle a commencé. Nous allons tous chez Lolo pour partager. Donc, aidons-nous vivants. Aimons-nous les uns les autres. C'est combien d'années parmi 100? On est déjà à 15 ans. 15 ans de vie ensemble. 15 ans. Donc,
aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants, allons tous sur Lolo pour la soutenir. Donc les hommes, prenez le temps d'aimer les femmes, prenez le temps de montrer à ces femmes que vous les aimez vraiment, prenez le temps de les séduire, prenez le temps de les valoriser. La femme a juste besoin d'une chose, de se sentir aimée, de se sentir valorisée, et après, le reste va tout seul. Quoi. Donc, on est ensemble, la famille. One peace, one love. On se retrouve chez Lolo. Bye bye. Passez vos commandes, hein. J'attends vos commandes. Voilà. Un bisou les mains. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.